la la la, c'est le refrain. La la la, il est pas bien. La la la, c'est le refrain. La la la, il est pas bien. Alors attends, attends. Peut-être si on monte le tempo, ce serait un peu plus rigolo. Allez, Franck, monte-le ton tempo. Voilà, c'est bien. Monte-le encore, encore, encore. Voilà. Attends, attends. Si on le fait un peu plus lent, non, je crois que c'est encore plus chiant. C'est chiant. Et ça continue. Et ça continue. La pauvreté musicale et l'apanage de nos artistes français. Alors je trouve ça normal que de rester conformiste. La la la, c'est le refrain. La la la, il est pas bien. Sandra, à la guitare approximative Stéphane Béraud, au tempo flottant Franck Amand, en tout cas, à la basse mon vieux complice Marc Perrier,
J'ai même joué avec Jackie Jean, c'est vous dire, j'ai la trouille. Notre nouveau Brice de l'âge. Mon ami Vincent Charagnac, dit turquoise, qui dirige un peu tout ce mot. Au violon, Anne Gravoin. David Racchini. Julien Gabin, Gabin. Et Caroline, dont je ne sais pas le nom de famille. Elle ne me l'a pas dit. Et bien sûr, Clarabelle. Pour tous ceux qui nous suivent depuis tant d'années, je les remercie beaucoup, évidemment. Et la petite surprise. Le corail défait son pancréas par la surprise de ses bras tombants. Il rétrécit, les vertèbres se tassent, la rate explose telle une bombe. Vaillot a-t-il contaminé un volutif, il va glacer. Conclusion, expérience numéro 4. Ne reste plus qu'une boulette de viande avec trois orteils. Attention, phase finale. Deux orteils. 1-0. Désormais couscous boulettium R++, encore plus copieux pour commun numéro 5.